Salut Sévins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience un petit peu particulière. Je vais te montrer la tranche de console secrète de Logic Pro 10. Lamusicien.fr, oh là là, c'est sexy. Et si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à accéder à l'espace de ressources gratuit. C'est le premier lien dans la description. Dedans, il y a plein de ressources pour t'aider dans tes productions. Et puis également, eh ben, tu reçois comme ça toutes les vidéos, toutes les publications directement dans ta boîte mail et même les promotions que je fais de temps en temps. Comme ça, tu rates rien du tout de l'actu. Allez, t'es chaud, on est parti. Alors, si tu bosses pas avec Logic Pro, reste quand même avec moi parce que on va parler au-delà de l'aspect un petit peu bidouille, gadget, et puis voilà, c'est le petit plugin caché entre guillemets. Ce qu'il y a derrière, c'est plutôt la philosophie aussi du fait d'utiliser des outils qui ne soient pas visuels. Donc, même si on va dire que toi, tu n'as pas accès à ce logiciel-là ou que tu ne sais pas le logiciel que tu utilises, il y a quand même une question de fond derrière qui va peut-être t'intéresser. Donc, reste avec moi. Dans Logic, il y a un petit plugin qui est génial pour faire plein de choses. C'est le plugin d'amplification, c'est le simulateur d'ampli. Donc, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, c'est un de mes outils de prédilection pour le sound design. Mais en fait, tu as aussi un mode un petit peu caché, entre guillemets, qui va te permettre, si tu veux, d'utiliser ce plugin-là comme une tranche de console. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tranche de console? Bah, tu vois un peu les méga consoles de studio. Et en fait, une piste, une voix, bah, c'est une tranche. Et sur la tranche de console, en général, donc tu as le fader de volume, le truc de panne, mais tu as aussi une EQ, tu as aussi un compresseur, peut-être un expander. Voilà, il y a différents trucs comme ça. Et qui te permettent en fait de régler directement bah, les questions de son sur cette tranche-là, sur cette piste-là. Et du coup, en fait, dans les studios, c'est comme ça qu'on va mixer. On ne mixe pas de façon visuelle avec des plugins en regardant l'écran, mais on est face aux enceintes. En général, il n'y a pas nécessairement d'écran devant nous, et juste on fait confiance à ses oreilles et on tourne des potards. Et au final, on est avec évidemment des solutions de super qualité, puisque c'est des grosses consoles qui te permettent de mettre plein de pistes et qui coûtent une fortune, et qui ont du coup un son quand même qui, voilà, qui est de qualité, avec lequel bah, tu vas pouvoir régler le gain, puis faire des boosts, des coupes dans tes EQ, mettre de la compression, et après peut-être faire des envois sur du hardware externe. Mais disons que une grosse partie du mixage se fait directement sur la tranche de console, sans utiliser, si tu veux, de stimulation visuelle, et donc en se reposant uniquement sur ses oreilles. Et c'est ça tout l'intérêt, en fait, c'est de se détacher un peu de l'écran, puisque nous, on bosse en MAO sur des écrans, sur voilà, des plugins qui sont méga visuels, on passe notre temps à cliquer avec la souris, à tourner des faders virtuels, des potards virtuels. Et je dis pas, moi je travaille à 100% comme ça, c'est ultra puissant, ça te permet de faire plein de trucs, même avec un simple iPad. Seulement, si tu veux, on finit par être plus à regarder les choses qu'à écouter les choses. Et c'est quand même le comble quand on fait de la musique. Du coup, bah, l'idée là derrière ce petit tuto, quand même pas, c'est surtout de t'inciter à essayer de te détacher un tout petit peu de l'écran et à revenir finalement au fondamental, c'est-à-dire à savoir écouter. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va rajouter un amp designer. Donc on trouve dans amps et pédales ici, ok, et on va venir ici en mode clean preamp. Et en fait le mode clean preamp te remet, si tu veux, un ampli de base ici, transparent preamp. Il n'y a pas de cabinet, donc de baffle de sortie avec lequel tu vas placer le micro, etc. Mais tu as un truc flat entre guillemets, tac tac, voilà, avec lequel bah, tu vas pouvoir, si tu veux, t'amuser un petit peu. Okay. Donc là j'ai une petite track. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire en utilisant uniquement le plugin de tranche de console, donc le préamp. Parce que si tu regardes bien, tu as un potard de gain, tu as une EQ sommaire et puis tu as une petite réverb. Il manque juste de la compression. Et de la compression, on pourra éventuellement la rajouter après. D'accord? Et donc l'idée, bah, ça va être justement de se détacher de l'aspect visuel, de regarder, si tu veux, les courbes de fréquence, machin, et de se concentrer uniquement bah, sur un outil hyper sommaire, mais de voir si déjà on est capable de maximiser le potentiel de cet outil. Donc je vais mettre mon instru en solo là.
on fera la présence. Après, la présence, ça booste les aigus, en gros. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu as différentes simulations pour tes IQ, donc qui vont donner une coloration également différente. Hein. Écoute bien. Moi j'aime bien le British Bright. Donc n'hésite pas, c'est d'autant plus important quand tu te sers pas de tes yeux, de vraiment pousser les potards au max pour voir ce qui se passe. Hein. Mal, je vais augmenter de la présence pour voir un peu. Avant. Après. Tu vois qu'on a déjà pas mal boosté le son, hein. Évidemment, avec le gain, on augmente aussi un peu le volume, hein, puisque finalement, tu as le gain, c'est le volume qui rentre, et le master, c'est le volume qui sort. Hein. C'est pas mal, on va rajouter un tout petit peu de reverb pour voir. Et pareil, ici, tu as un choix de différentes simulations de reverb. Évidemment, c'est un peu frustrant parce que la reverb elle prend tout le son, donc tu as le kick qui passe dans la reverb, etc. Mais pourquoi pas? Et tu vois que finalement on n'a pas fait énormément de choses, mais on s'est concentré uniquement sur notre ressenti. Et sur des outils ultra basiques, c'est-à-dire on a tourné 4 potards en gros. Et c'est vraiment un exercice que je te recommande de faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais passer sur la basse ici. On va se faire le petit bass-bat des familles. Me gêne un peu dans le kick, je vais la baisser. Après. Voilà, et ce que je trouve appréciable dans le fait de fonctionner comme ça, c'est que finalement, tu vas, si tu veux,
te concentrer sur un seul outil. Tu vas pas te disperser à mettre, ok, je vais faire un peu d'IQ, puis après, ah mince, je vais rajouter un petit plugin de gain. Ah, puis je pourrais peut-être rajouter une petite simulation de ceci, cela pour donner un peu de couleur et tout. Là, finalement, ne serait-ce qu'en changeant la simule d'IQ et puis en bougeant un petit peu les potards, bah, mine de rien, ça a un énorme impact sur la qualité du son qui en ressort, quoi. Donc c'est assez cool. On va continuer rapidement. Là, j'ai un bus guitare. Hop. Je vais continuer avec mon petit synthé ici. Donc tu vois, je me prends pas la tête, je le fais directement sur le bus, comme ça, ben, l'effet impacte plusieurs pistes et ça te permet de gagner énormément de temps au mix. Je fais la même chose. Comme d'habitude, j'essaie un peu de compenser le master pour éviter d'avoir une trop grosse différence de volume entre le sans effet et le avec mon traitement, pour éviter d'être faussé hein, par la différence dans la perception du volume, qui est toujours un petit peu qui fausse vachement la donne, surtout quand tu utilises le gain. Mais c'est important de jouer avec le gain aussi pour bah, faire travailler correctement le reste des effets. Tu vois que là, ça n'a pas une incidence de ouf. Déjà un peu plus. Et on va voir dans l'ensemble. Bah voilà, j'ai à peu près fini mon petit Barnum. On peut se faire une écoute sans, puis avec. Donc tu vois, c'est allé assez vite, puisque bah, il n'y avait pas grand-chose à faire. La différence n'est pas flagrante, donc si je voulais vraiment
comment être plus radical, il faudrait que je pousse un peu plus les potards. Ce que je peux faire ensuite, c'est éventuellement rajouter de la compression. Donc soit je la fais avec le compresseur de Logic, soit j'utilise le pedalboard de Logic pour rester vraiment en mode full analogique entre guillemets. On peut utiliser la pédale de compression pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas si mal. Je vais faire la même chose ici pour la basse. Et puis ce sera bon, je pense. Voilà, légèrement pour contrôler un peu. On fait sans et avec. Voilà, et en fait, si tu veux, on est un peu sur le même principe que si on utilisait une vraie tranche de console type un SSL channel de chez Waves, où tu vas avoir beaucoup plus de contrôle, évidemment, mais où finalement l'esprit, c'est vraiment de se décoller du visuel. C'est-à-dire que c'est pas très sexy de voir tes potards comme ça avec finalement assez peu d'éléments. Par rapport à un égaliseur, on va dire graphique, où tu vas pouvoir vraiment sculpter les boss et regarder un peu les zones de fréquence et tout. Mais finalement, tu vas avoir un résultat qui va être complètement différent si tu te détaches vraiment de ton aspect visuel, quoi. Pourquoi? Voilà, c'est pas nouveau, hein. Quand tu coupes un sens, tu développes plus l'autre. Et c'est vraiment ça, la philosophie de sortir un peu du visuel. Et du coup, Ok, on n'a peut-être pas des studios de malades avec des potards partout à tourner, à machin, mais on peut finalement trouver un petit peu des astuces pour se détacher ne serait-ce qu'un instant de l'aspect visuel et essayer de voir, d'explorer d'autres manières de faire, d'autres manières d'utiliser les outils qu'on a. Et par exemple, dans Logic, tu as également dans la section d'EQ les vintage EQ qui te permettent
d'utiliser des IQ comme ça, très visuels et qui eux-mêmes sont de très bonnes factures d'ailleurs. Le console IQ marche très bien. Voilà, c'est des simulations pareil, des IQ qu'on va retrouver sur les consoles d'ailleurs. Tu vois, ils appellent ça vintage console. Je sais plus, ça, je crois que c'est une simulation d'une Neve. Je suis pas certain à 100% que je dis peut-être de la merde. Mais tu vois, c'est. On essaie de calquer, si tu veux, le workflow qu'on va retrouver sur du matériel hardware dans nos matériels, dans nos softwares, comme on dit, in the box, hein, pour essayer de retrouver un petit peu la manière de faire et surtout de sortir des yeux, quoi, vraiment, parce qu'on passe notre temps devant des écrans et. C'est d'autant plus vrai quand on est sur nos ordis et du coup on est sans arrêt dans le visuel, à essayer de recaler les choses visuellement, à regarder visuellement comment ça se passe tout ça et on en oublie vraiment l'essentiel, c'est que la musique, ça se passe avant tout dans les oreilles et c'est pas pour rien qu'il y a de très très bons musiciens qui n'ont aucune connaissance technique ou dans théorie musicale, c'est juste qu'ils ont de très bonnes oreilles, ils ont sur le feeling du son quoi. Et ça, malheureusement, tu peux pas vraiment l'apprendre si tu passes ton temps fixé comme ça dans un livre ou dans un écran. Je pense qu'à un moment, il faut apprendre à se détacher de ça. C'est une manière un petit peu détournée d'utiliser les outils à notre dispo. Je te dis pas de mixer tes titres avec le préamp comme ça de Logic. N'empêche que c'est à tester quand même. Sur certaines pistes, ça peut éventuellement être assez créatif. N'hésite pas à explorer cette direction-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura été utile. Vraiment, essaye de te détacher un peu de l'aspect visuel de la MAO parce que ça nous rend un peu tarés, moi je trouve, personnellement en tout cas, et puis ça fatigue les yeux en plus, donc c'est pas bon. Si cette vidéo t'a été utile, t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, et puis si elle t'a pas plu, n'hésite pas à cliquer deux fois sur le pouce en bas, et puis à me dire en commentaire ce que tu penses de cette idée, de cette pratique, si toi tu utilises peut-être des tranches de console virtuelles pour mixer, voire même si tu as la chance de mixer sur du hardware ou avec des contrôleurs, peut-être, c'est un peu l'entre-deux qui est pas mal aussi. Voilà, je te laisse, fais plein de musique, surtout, ciao! Tonight, the space cry.